Je ne peux pas vous montrer mon lion. Je suis chez lui, il est en deuil. Donc arrêtez un peu avec son nom. Il pleure sa mère. Est-ce que moi j'ai allumé un petit direct? Voilà. Donc nous sommes là à la maison de recueillement. Je suis venu lui présenter mes condoléances avec mon fils et tout. Voilà, il est là. C'est pas en fait, il est là. Yeah, il est là, le lion de Toulouse. Un peu de sourire quand même, je suis venu lui apporter le sourire. Voilà. Donc, tout ce que vous écoutez sur les réseaux sociaux, là, il n'est pas là. Il n'est pas, c'est pas lui. Il n'a jamais quitté de chez lui depuis que sa mère est décédée. Il est là. Donc, le reste là. Les fake news, gardez ça pour vous. Les fake news, gardez ça pour vous. C'est pas lui. Voilà, vous êtes en direct, hein. C'est pas lui. Il n'a jamais fait de direct, il n'a jamais fait de vidéo ou quoi que ce soit. Respectez la mémoire de sa maman. Nous tous, on est nés d'une mère et d'un papa. Nous tous, on est nés d'une mère. Donc, quand quelqu'un, un homme, même quand l'homme, même comme il est l'homme, il est lion, comme on dit. Mais il y a des fois, le lion est à terre. Pour le moment, le lion est à terre. Il pleure sa mère. Respectez cette douleur. Respectez ça. Je ne veux pas prononcer les contemporains là parce qu'il ne veut même plus entendre parler. Non, respectez la douleur. Vous qui partagez des trucs là, vous partagez des fausses vidéos. Il n'a jamais fait de vidéo de réconciliation. Il n'a jamais rien fait. Il est là, il pleure sa mère. Il pleure sa mère. Vous comprenez? Hein? Voilà. Donc, arrêtez avec les fake news sur les réseaux sociaux. Vous qui tombez les humains trop. On dit humains trop. Moi, je l'ai surnommé Zumantro. Dans les pages qu'elle a payées pour faire une campagne de sabotage, elle a prémédité. Tu viens de voir une vidéo là, moi je te dis que ne me venez pas me parler, je ne vais pas vous répondre à vos questions. Je vous dis que je suis chez le lion. Le lion est là. Il pleure sa mère, il vient de perdre sa mère. Il n'a jamais quitté cette concession pour aller quelque part. Et la vidéo n'est pas faite chez lui. Vous comprenez? Donc arrêtez de croire à n'importe quoi. Je ne vais pas me répéter. Vous me connaissez. Quand il y a du fait, je vous mets la vérité en face et on passe à autre chose. Je ne suis pas dans les... Il n'a pas de problème avec Samuel Eto'o. Il n'a pas de problème avec son frère. Quand il y a... Les deux ont chacun son numéro de l'autre. Donc, quand il y a un problème, il s'appelle. Vous comprenez? Donc, laissez les pleureuses de l'autre là pleurer. Nous, on pleure la matière. Marie, Yvonne et Yango. Paix à son âme. Marie, Yvonne et Yango, paix à son âme. Une femme qui a confiance en elle ne vient pas pleurer sur le réseau. Ça veut dire qu'on l'a barrée. Nous sommes des femmes. C'est la personne qui vient pleurer qui est barrée. Il n'y a pas de solution. C'est la personne qu'on a barrée qui vient pleurer sur les réseaux sociaux. C'est la personne qu'on a barrée qui vient s'asseoir pour faire le sabotage. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Laissez la mémoire de cette maman reposer en paix. Vous avez déjà assez fait depuis le jour de son enterrement. Voilà. Oui, les sincères condoléances adressées, ils sont adressés. Voilà. Marie, Yvonne et Yango, la maman d'Achille Mana, le lion de Toulouse, repose désormais en paix dans la concession de son fils. Vous comprenez? À l'Oboudi. Donc, le reste là, c'est pour vous. Ciao.